Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image, on est ensemble. Si Koburu TV Africa, ce que dit l'image. Amis sportifs, bonjour, merci de prendre le rendez-vous de ce numéro de Koburu Sport. Dans ce numéro de ce samedi, il sera question au niveau du sport actuel local, des tournois de proximité sur place ici à Parakou et de ce match de gala entre anciens et actuels joueurs du Dynamo FC de Parakou au plan national. Nous parlerons du championnat béninois, notamment la saison de l'Autopopo qui a terminé deuxième au classement. Focus également sur le colosse défenseur de Coton FC Sika Bachirou alias Anaconda. Dans la rubrique Sport Actu International, il sera question de transfert avec Luis Enrique qui a débarqué du côté du Paris Saint-Germain et du feuilleton Kylian Mbappé. Amis sportifs, dans cette émission, je reçois Ozeru Abdoulaye. Il est ancien international béninois, sinon international béninois, il n'y a pas d'ancien. Il est également un coach adjoint de l'Autopopo. Il est également sélectionneur. Ozeru Abdoulaye, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à toutes et à tous. Ozeru Abdoulaye, comment se passe le séjour sur place ici à Parakou? Bah, très bien, parce que ça fait quand même longtemps que je n'ai pas pu faire 3-4 jours à Parakou, vu qu'il n'y a pas trop le temps. Mais bon, là, on a eu la chance d'avoir des vacances avec la Tabaski qui vient aussi à la même période. Donc, on a la possibilité donc de revenir à la maison et de passer un bon moment avec la famille. Et c'est toujours bien pour le moral et c'est pourquoi nous vous avons ici avec vous. Nous allons aborder tous ces sujets et nous commençons cette émission par la rubrique Sport Actu Local. Dans cette rubrique, nous parlons bien évidemment des tournois de proximité direction Gannou pour parler du tournoi Super League de Gannou édition 2023. Et le tournoi a démarré ce samedi 1er juillet de l'an 2023. Voici donc quelques résultats des rencontres déjà disputées. Boucher FC a été battu 3-0 par Guep. LMB et Jeunesse se sont neutralisés 1-0. Lyonceau Sinaspor 1-0 également. Étoile a été battu 1-0 par ADB. Étincelle Portmouf 2-0. Sankouné Salam Sport 1-0 en faveur de Sankouné. Ce samedi 8 juillet, deux rencontres au programme. Dokparou Green Eagle, c'est à 14h et puis à 16h. Léopard va en découdre avec Baobab FC. Ozeru Abdoulaye, ce sont des tournois de proximité. Vous les avez joués ici à Parakou. Que pensez-vous de ces initiatives qui se multiplient sur place ici à Parakou? Il y a le tournoi Ola qui se déroule au stade Omnisport de Parakou. Il y a le tournoi TGV également de Petit Camp de Ignace Fassino. Voilà. Je pense que c'est nécessaire. Je les ai joués, je dirais que c'était presque quasiment mon boulot hein, pendant les vacances à l'époque. C'est un tournoi à Borossi où j'ai quasiment joué chaque année en remportant le trophée, le tournoi aussi de l'école Combert, parce que c'était les plus grands tournois à l'époque au niveau du foot à Parakou. Aujourd'hui, les jeunes ont quand même la chance d'avoir le stade parce que nous, à l'époque, c'était pas possible pour nous d'avoir le stade pour jouer ces tournois-là. Le stade était inaccessible parce qu'il n'y avait que le championnat de Ligue 1 qui se jouait là-dessus. Aujourd'hui, ils ont la chance quand même de pouvoir jouer ces tournois-là sur le stade de Parakou et un peu dans certains quartiers. Donc, pour moi, dans les vacances, c'est nécessaire. Et c'est nécessaire aussi que les grands puissent apporter quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, je regarde, par exemple, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, les footballeurs internationaux qui rentrent en vacances, ils n'ont pas peur de venir jouer ces tournois-là. Le cas de André Onana, Maté Angla. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Ils sont sur le terrain ou au Nigeria avec Victor Osimhen, les jeunes. Je crois. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra donner cette envie aux jeunes. Moi, je dis souvent, c'est pas mon père était footballeur qui m'a donné l'envie de jouer au football. Petit souris. Ouais. C'est Mouda. Parce que à l'époque,
quand je le... Amadou Mouda Chirou, ouais. Ancien capitaine, ouais, des écuries du Bénin. Ouais. Quand il rentrait en vacances, il était d'abord en France, à Rochefort, avant de partir en Allemagne, les gens ne le savent pas. Quand il rentrait en vacances, quand je le voyais, je me disais, bon, moi j'ai envie d'être comme lui, parce que... En fait, c'est ça qui vous donne cette envie-là. Et le fait d'avoir des footballeurs qui évoluent à l'extérieur, ou encore même qui évoluent seulement en Ligue 1, et qui soient à Cotonou, que ce soit Coton, Loto et tout ça, ça donne quand même cette envie aux autres jeunes qui sont là encore et qui se cherchent à pouvoir quand même performer et arriver vers l'avant. C'est une motivation extraordinaire. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est une grosse motivation. Moi, j'étais en Europe, je suis rentré plusieurs fois, j'ai joué le tournoi de Lyon, TGV. J'ai joué plusieurs fois le tournoi, je trouve que c'est nécessaire, quoi. Donc il faut parfois se faire petit. Ça ne veut pas dire en fait que voilà, si vous venez jouer, que vous ne vous respectez pas. Non, c'est au contraire en fait une manière d'apporter quelque chose à ces jeunes-là, parce qu'ils en ont besoin. Amis sportifs, Paracois, faites donc massivement le déplacement du terrain de Ganon pour suivre le tournoi Super League de Ganon. Du côté du stade omnisport de Paracois, il y a le tournoi Ola. Du côté du quartier Ga, bien évidemment, au CBN, il y a le tournoi TGV de Ignace Fassino. On reste toujours au plan local pour parler de cette initiative de Dynamo FC de Paracois. Les anciens joueurs de Dynamo, sinon les joueurs qui sont passés par Dynamo de Paracois et qui sont actuellement dans d'autres club ont affronté ce lundi au stade Omnisport de Paracois à 10h les actuels joueurs de Dynamo qui ont fini donc le championnat. Score final 3-0. Vous voyez d'ailleurs les images donc de cette rencontre, quelques photos, quelques clichés donc de cette rencontre. Cette rencontre qui a été battue largement par les anciens joueurs de Dynamo, ceux qui sont passés par Dynamo de Paracois. Il y a plusieurs joueurs au Zéro Ablaï que vous avez vu au sein de cette équipe des anciens joueurs de Dynamo. Vous avez dit c'est une équipe de Super League. Pour d'abord, que pensez-vous de cette initiative avec à la baguette un certain Bio Sirimbu, Emmanuel alias Sani Abacha ou Dibango? Il fallait y penser parce que j'ai pas vu venir ça personnellement. Et quand j'ai vu l'affiche, bof, je me suis dit bof. Mais hier matin, en voyant les compositions, je me suis rendu compte, quand même, parce que en fait, on ne se rend pas compte. Mais c'est quand on voit les compositions, on se dit, oh, quand même, il y avait du sacré joueur, voilà, c'est de sacré joueur. Cette équipe, en fait, je pense qu'elle pourrait être championne du Bénin sans problème. Hein. Honnêtement, si vous prenez ces garçons, faites une équipe avec d'autres. Ils peuvent être champions du Bénin. Des joueurs de Coton, des joueurs de Banigansé, des joueurs de Sobimap. Et de Loto. Oui. Il y avait quand même de très très bons joueurs. Je trouve que c'est une belle trouvaille. Peut-être qu'il va falloir refaire encore. J'aurais aimé voir d'autres clubs le faire à Paracois, notamment les Buffs, mais apparemment, avec la situation actuelle, ça va pas être possible. Mais il y a un club aussi qui pourrait le faire. Et qui pourrait donner quelque chose de très très bien, Real Sport de Paracois. Real Sport de Paracois. Pour moi, je peux dire que c'est le seul club formateur. Formateur. À Paracois, les autres ne forment pas. Les Buffs ne forment pas. Les Buffs ne forment pas. La preuve, je crois, il y a 2 ans, 3 ans, j'avais fait un peu le point sur les 24, 25 joueurs des Buffs. Il y avait 8 de Real Sport. Et 8 qui étaient tous presque titulaires. Les autres sont des prêts à porter. Ouais. 8 de Real Sport. Donc, je trouve que c'est quelque chose que Real Sport aussi pourrait tenter et qui pourrait quand même avoir beaucoup de cœur. On reste toujours au plan local. On fait focus sur ce colosse défenseur, comme je vous l'avais dit. Et il a joué avec Dynamo de Paracois. Il était ancien capitaine de Dynamo de Paracois. Il s'agit de Sika Abachirou, alias Anaconda. Il était le capitaine de Dynamo. Actuellement, il évolue au sein de Coton Sport. Il a joué, tenez-vous tranquille, 40 matchs en Ligue Pro et en Super Ligue Pro, 90 minutes avec Coton FC. Ouzerou Abdoulaye, c'est un joueur qui est convoité par plusieurs clubs déjà, à l'interne comme à l'international. Vous avez vu ce garçon, vous l'avez affronté en tant que coach adjoint de Loto Popo. Est-ce que ce joueur-là, quand vous l'avez connu à Dynamo, quand vous l'avez connu la première année à Coton et la deuxième année à Coton, vous avez senti en ce joueur une nette progression? Bah, clairement. J'ai pas envie de dire que c'est le meilleur défenseur du Bénin. Pour moi, c'est le meilleur actuellement. J'ai pas envie de le dire. J'ai juste pas envie de le dire. Je dirais qu'il fait partie des meilleurs. C'est excellent. Honnêtement, excellent. Parce que je connais Anaconda.
depuis Dynamo de Baraco. Je peux dire que ça fait peut-être 5-6 ans que je le connais. Déjà ici, hein, déjà il a parti des tournois de quartier. Mm-hmm. Enfin, il a joué ses tournois à Gano là. Exactement. Mm-hmm. Exactement. Donc c'est un garçon qu'on a vu évoluer et aujourd'hui je pense qu'il est vraiment au top. Il est au top. Et en fait, ce qui frappe, vous avez dit tout à l'heure, il a fait 40 matchs. Un défenseur. Un championnat. Mm-hmm. Un championnat qui dure 40 matchs. 40 matchs, oui. Et qui joue 40 matchs. Mm-hmm. 90 minutes. Honnêtement. Ça veut dire quoi? Il n'est jamais suspendu. En fait, c'est ça à la base. Parce que c'est rare. Je n'avais pas vu ce côté-là, c'est jamais suspendu. C'est rare. C'est même unique. Tu dis que c'est unique. Point défenseur. Jamais suspendu. Croyez-moi, c'est parce qu'ici, peut-être qu'on ne voit pas la grandeur de ça. Vous parlerez de ça à un club en Europe, on vous dira il y a des entraîneurs, rien que pour ça, ils prennent en fait. Rien que pour ça, ils prennent le joueur. Parce qu'ils savent en fait que, parce que la défense en fait, on ne tourne pas beaucoup en défense. C'est un poste où on ne tourne pas beaucoup. Donc quand vous avez un défenseur qui n'est jamais suspendu, c'est tranquille. Qui n'est jamais suspendu, qui est presque jamais blessé. Blessé. C'est extraordinaire. Qui n'est jamais sorti dans un match. C'est une richesse en fait. Pour moi, vous n'avez pas idée de ce que ça peut représenter en fait. C'est énorme. C'est énorme. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. Et qui va avoir sa chance avec la sélection A. Parce qu'un jour, j'en parlais. Il a eu plusieurs pré-convocations. Malheureusement, il est dans les 40, mais il n'a jamais été dans les 23. Ouais, parmi les 23. Je pense que ça va venir. Ça va venir. Je pense que ça va venir. Mais pour que ça vienne, c'est à eux de saisir la chance, surtout avec les locaux, le Chan. Le Chan qui vient. Nous jouons le 28, je crois, le 28 juillet. Et je pense qu'il va jouer titulaire. C'est quasiment une certitude. C'est à eux de prouver, en fait, cette compétition. J'ai l'impression que cette compétition nous dépasse et on ne fait pas ce qu'il faut. Mais je pense que pour tous ces joueurs-là qui ont 20 ans, 22, 23, s'ils ont vraiment envie de se faire une place, même s'ils ne vont pas en Europe, je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent se trouver les coins comme en Afrique du Nord. Et c'est le moment pour eux, en fait, de trouver ça. Parce que quand vous avez 21, 22, 23 ans, la porte commence par se refermer au niveau de l'Europe. Et aujourd'hui, vous avez des championnats assez sérieux, que ce soit l'Afrique du Sud, la Tanzanie, les championnats congolais, championnat d'Afrique du Nord, où vous pouvez jouer 4-5 ans et gagner même peut-être plus que les gens qui jouent en Europe. Donc il faut qu'ils prennent au sérieux un peu cette compétition-là et qu'ils fassent un bon char. Je pense que s'ils font par exemple des belles éliminatoires avec Coton à la Ligue des Champions, les préliminaires, voilà, oui. Coton à la Ligue des Champions avec le Chan, je pense qu'il ne sera pas loin d'être appelé en sélection nationale, une sélection quand même avec des joueurs qui sont sur la fin. Parce que quand on prend Khaled Adelon par exemple, qui est sur la fin, pour moi, s'il y a un défenseur central dans le pays qui doit remplacer, c'est lui. Il a quelque chose qui est recherché par le sélectionneur. Le gabarit. Et la rapidité. La rapidité. Parce que c'est difficile d'être grand et rapide. Lui, il est grand, il est rapide. Donc, je pense qu'à un moment ou un autre, il va avoir sa chance. Anaconda, voilà quelques conseils donc de Ouzeiro Abdoulaye qui est attaquant, mais qui... Mais il aurait eu du mal avec moi. Sika Bashirou alias Anaconda, on fait place à présent à la rubrique Sport Actu National. Dans cette rubrique, Ouzeiro Abdoulaye, on s'intéresse à la saison de l'Autopopo. L'Autopopo qui a terminé deuxième au classement derrière Coton. On parlait de Coton, de Sika Bashirou, certainement qui a empêché l'équipe de l'Autopopo d'être équipe championne. On a vu deux grands derbies. Le premier qui a été impacté par quelques décisions arbitrales. Le deuxième où l'Auto a été battu 1-0 sur pénalty transformé par le capitaine de Coton FC. Globalement, en tant qu'entraîneur adjoint, que pensez-vous de la saison de l'Autopopo? On sort d'une saison avec beaucoup de regrets quand même, parce que quand on voit le début qu'on fait, je crois au tiers du championnat, nous étions premiers, largement. Parce qu'après 7 matchs, je crois, nous avions peut-être 5 ou 6 points avant ça. Parce qu'on n'avait perdu aucun match. Vous avez gagné tous les matchs au Nord? Oui, on avait tout gagné. Presque, on a fait un match nul. En 7 matchs, on a fait un match nul et tout le reste, c'était des victoires. Malheureusement, à un moment donné, on a calé. Je crois qu'il y a eu deux périodes. La période où on fait 3 victoires, 3 défaites d'affilée. C'est pas normal. On perd contre Aïma à la maison.
match qui suit, on perd contre Coton à la maison. Ce fameux match, on va parler, on ne va pas revenir sur ça. Oui. Et après, on sort 2 semaines après, on perd à quoi, Abidjan contre Coton. Je pense que le premier tour, ça a été ça. Malgré ça, on n'a pas été décroché. Nous étions toujours, parce qu'on avait pris une avance au départ, on était toujours à côté. Malheureusement, à un moment donné, encore, on fait 2 matchs nuls contre 15, je crois, à un moment donné où on menait 2-0 et on se fait rattraper. Oui. Le match qui a suivi. À René Pleven ? Oui, à René Pleven, le match qui a suivi encore contre Cavalier. À domicile. Le fameux coup franc d'un de vos anciens joueurs. Exactement. Zachary, oui. Exactement. Donc, je pense que c'est là que tout s'est compliqué. Parce que sur ces 2 matchs nuls-là, il ne fallait pas. Parce qu'aujourd'hui, au finish, on voit, il n'y a que 2 points d'écart entre Coton et Loto. Je pense que les 2 matchs nuls qu'on fait à cette période-là, en tout cas, c'est là. Donc, et les 2 défaites contre votre adversaire direct. Voilà, il ne faut pas. Quoi. Donc, il faut quand même dire que voilà, si c'est dans le jeu, on était quand même au niveau. Mm-hmm. Je pense que tout le monde l'a vu clairement, on était au niveau. Malheureusement, on a eu des coups de moins bien à certains moments importants. Et c'est ce qui a causé en fait ce résultat où on finit de dire. L'année dernière, ça n'a pas trop marché pour les préliminaires des compétitions africaines. Cette année, vous prenez les mêmes, vous recommencez. Il y aura du tamis certainement, il y aura des renforts certainement pour dignement représenter le Bénin. Comment vous vous préparez? C'est vrai que vous êtes un peu en pause. Vous avez donné les vacances à vos poulains. Vous allez reprendre certainement. Comment vous préparez cette compétition? C'est clair que ça va bouger. Ça va bouger un peu parce que l'année dernière, on a eu 2 recrutements. Seulement que 2. Kissini et Hassan Imran. Hassan Imran, oui. Kissini a presque pas joué. Je pense qu'il a joué un seul match sur toute la saison. Après, il s'est blessé. Hassan, voilà. Belle recrue. Donc, un des tauliers. Ouais. Pour aborder une compétition africaine, c'est déjà assez léger. Donc il va falloir quand même prendre des joueurs d'expérience aussi. Parce qu'on a une équipe aussi quand même qui est là depuis 3 ans, qui n'a presque pas bougé. Je pense que c'est le moment quand même de rapporter un peu de sang neuf dans cette équipe-là. Donc il va pas y avoir un gros chamboulement. Hein. Voilà, on a un effectif de croix de 28. Et je crois que voilà, beaucoup, la plupart resteront. Que ceux qui partiront, parce qu'il y a quand même des joueurs en fin de contrat, et il faut ramener quand même du 109. Donc il n'y aura pas un gros ménage à faire, mais bon, ça va être quand même raisonnable. Ozero Abdoulaye, rapidement, les Buffs du Borgo, un club de cœur, un club dont vous avez porté le maillot capitaine, le papa a joué dans ce club. Avant-dernier au classement, situation difficile. Brièvement, que pensez-vous de la situation des Buffs aujourd'hui? Je pense qu'on l'a dit partout. Ça choque. Ça choque. Mais je pense, et je vais être honnête, d'abord, avant d'accuser, parce qu'aujourd'hui, on parle du CNCB qui était là, qui est parti, malheureusement. Je pense que c'est d'abord aussi la faute aux Buffs, qui n'ont pas eu une vraie politique sportive depuis tout ce temps. Tout à l'heure, on a parlé du Real Sport au Paracou. Qu'est-ce qui a empêché les Buffs, par exemple, de former tout ce temps? Rien. Qu'est-ce qui a empêché les Buffs de former? Je vais dire, par exemple, depuis 2017, voilà. Où on a commencé avec l'hégémonie, on va dire, où les Buffs ont été champions régulièrement. Qu'est-ce qui a empêché de former? En sachant que nous sommes dans une ville où il y a des joueurs, de très bons gamins de 15 ans, 16 ans, qui auraient pu être là déjà depuis 2017. Qui aujourd'hui serait en train de représenter le club sans peut-être grand moyen. Parce que parfois, en fait, quand vous n'avez pas les moyens, et c'est ce que les Buffs ont toujours fait, les Buffs n'avaient pas quoi l'habitude de prendre des joueurs étrangers. L'équipe était constituée à 100% presque déjà de l'époque de Lolo Chidiac, du natif de Paracou ou au pire du Nord. C'est pas pour être xénophobe, mais c'était à l'époque pour éviter qu'il y ait des problèmes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens. Et on s'entraîne avec vous, Seyi Fassinou, Ignace Fassinou, Dialilo Africain, Santos. Tout le monde était ici. Donc, on savait que voilà, c'est notre chose. Même quand il y aura des problèmes, on est là. On n'a pas le choix. On est là. Et de l'époque de Lolo, c'était comme ça. D'abord, ça a été comme ça. Après, à notre époque, c'était un peu comme ça. Mais il y avait 1-2 étrangers. Mais aujourd'hui, on n'a pas formé. On s'est contenté de prendre des joueurs d'ailleurs, mais c'est normal au moment où ça ne va pas, parce qu'ils ne sont pas venus ici pour regarder les routes et le reste de la nature.
Ils sont là pour travailler, pour gagner de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, partent. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Tous les gars sont partis. Donc les Buffs n'ont pas forcément pensé à la formation. Et les Buffs n'ont pas eu une vraie politique sportive. Excusez-moi, je le dis clairement. Parce que pendant que les Buffs étaient au top, il y a eu des joueurs qui sont partis quand même. Rodrigo Kossi. Rodrigo Kossi. Marcelin Koupo. Samadou Bourou. Charles Tiesso. Nabil. Yarou. Ces cinq-là, à l'époque, je me souviens, je ne veux pas trahir les trucs ici. J'ai dit à un dirigeant, vous placez des Buffs. Aujourd'hui, le foot, vous pouvez en fait personnaliser les contrats et les projets. C'est-à-dire, il y a un projet Buffs, mais il y a un projet dans le projet. C'est-à-dire un projet pour 5 joueurs qui sont en fait des valeurs sûres, à qui vous pouvez accorder d'autres traitements. Et savoir que vous avez un projet avec eux. Parce que c'est des joueurs, on ne dit pas de les bloquer, mais vous êtes presque certain de pouvoir gagner un peu d'argent avec eux. Des joueurs vendables. Exactement. Sur ces 5 joueurs, aucun n'a rapporté un franc au Buffs du Borgo. Pourtant, Rodrigue est parti en Tunisie. Il y avait moyen d'avoir quelque chose. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Il y avait moyen, mais on n'a rien eu. Marcelin Koupo est parti. 0 franc. Donc, quand vous n'avez pas de politique, c'est ce genre de choses qui arrivent. Et malheureusement, ça arrive au Buffs du Borgo. Donc, il ne faut pas pleurer en fait par rapport aux autres. Parce que ouais, les sociétés sportives, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Il faudrait mériter ça. Mais il y a 36 clubs et il n'y a pas 36 sociétés sportives. Hein. Mm-hmm. Et pourtant, vous avez Ayema qui fait quand même de bons résultats, société sportive. Des très bons résultats. Dynamo d'Abomey. Ayema avec une bonne politique. Aujourd'hui, Rodolfo Aloko est convoité. Dynamo d'Abomey. S'ils ne font pas, ils ne font pas un bon championnat. Oui. Bon. Vous avez des clubs, il ne faut pas qu'on mette le top sur le CCB. Asbo. On a dit que ouais, c'est des sportifs qui font que. Non. C'est la politique qui n'est pas la bonne. Vivement donc que ça change au niveau des Buffs FC du Borgo. On fait place à présent à la rubrique Sport Actu International. Dans cette rubrique, on s'intéresse aux infos transfert. Ousmane Abdoulaye, Luis Enrique débarquent au Paris Saint-Germain. Christophe Galtier, après un an, n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Que pensez-vous de cette politique sportive du Paris Saint-Germain? C'est difficile parce que c'est pas lisible. Pas lisible, donc vous savez, dès qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de problèmes. Donc au niveau du PSG, c'est pas clair en fait. Ça n'a jamais été clair. Les joueurs qu'il faut recruter, on n'a jamais compris qu'ils ne viennent jamais. Vous savez, parce que quand il y a l'argent, il y a des agents tellement influents qui sont là que pour placer leurs joueurs. Parce qu'à chaque recrutement, chaque mercato, les recrutements du PSG vont se demander. Par rapport à quoi? Parce que cette année, par exemple, quand début de saison, je vois les joueurs qui sont venus, je me suis dit, oh, ils ont vraiment envie de remporter la Champions League. Parce que si c'est ce qui est venu, Saoul n'est pas Saoul, Sarabia. Pablo Sarabia. Sarabia. Il y a Ruiz. Oui. De Naples. Ouais. S'il y a encore d'autres joueurs. Vitinha. Des joueurs sur le côté, en fait. Des joueurs qui. Voilà. Et Hugo Ekitike. C'est des joueurs qui, ailleurs, toucheraient 1 million d'euros, 2 millions. Mais qui, au PSG, touchent 8, 10 millions. On sait très bien que vous ne remporterez pas la Champions League avec ces joueurs-là. Parce que les joueurs du temps, c'est eux qui vous sortent des problèmes, en fait. En Champions League, c'est le temps qui vous sauve. Mais donc, le PSG, en fait, ils prennent des joueurs, ils prennent des superstars. Devant Neymar, Messi, Mbappé, et on se dit bon, voilà, ils vont faire l'affaire. Et ceux qui sont sur le banc, en fait, on évite de leur apporter de frais concurrents, en fait. On évite de leur apporter des concurrents, on leur fout la paix, et on compte sur eux. Et dans le foot, ça ne marche pas toujours comme ça. Je pense qu'il faut avoir une équipe City. Quand vous sortez Grealish, vous mettez Mahrez quand même. Les deux se parlent. Ça veut dire, en fait, entre les deux, il y a eu une certaine indécision. Oui. Parce que personne d'entre eux ne sait qui va commencer. Oui. Ils savent pas, parce qu'ils savent très bien, chacun, ils savent qui se parle. D'accord. Et c'est pareil sur un autre côté. Si vous avez Silva, il sait que bon, s'il n'est pas là, il y a peut-être Foden. Foden, oui. Qui est performant également. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on gagne une compétition. Malheureusement, au niveau du PSG, c'est pas la même politique. C'est un peu trop.
Hollywood, FC Hollywood, donc c'était bien compliqué. En espérant que ça change, parce que bah, ça fait des années qu'ils changent d'entraîneurs. Ancelotti, le plus grand, il est empiré. Thomas Tuchel. Il est parti, aussitôt il part, aussitôt il remporte la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, Luis Enrique, en espérant qu'il ait le temps de travailler correctement. Et de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. On va finir cette émission rapidement, quelques secondes avec vous, par le feuilleton Kylian Mbappé. Le voyez-vous au Real Madrid? Il y a Liverpool qui propose environ 230 millions d'euros pour ce gamin. Le PSG ou le Real Madrid ou Liverpool, selon vous? Je pense qu'il doit aller au Real Madrid. Parce qu'au PSG, vu la situation, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que je vois les gens s'agacer, je me dis, mais écoutez, le foot, c'est ça. Ça tourne autour de ça, de l'argent, tout tourne autour de ça. Donc aujourd'hui, il est en position de force, il sait ce qu'il fait. Il sait qu'il lui reste un an, il sort une bombe maintenant, il sait que le PSG va trembler. Mm-hmm. Donc soit le PSG laisse faire son année, le contrat, il finit, il part gratuit. Soit le PSG décide de le vendre maintenant et le PSG, voilà, et bien, sachant que beaucoup de clubs ne font pas le jeter maintenant. Le Real qui est là, le Real va attendre que Kylian Mbappé joue cette année avec le PSG, ce qui les arrangerait, qu'eux, ils pourraient négocier avec lui directement une grosse prime à la signature et ils paieraient moins que ce qu'ils auraient dû donner au PSG. Parce que le PSG peut demander aujourd'hui 200 millions, mais Kylian Mbappé, s'il doit signer au Real, peut-être qu'il n'aura pas plus que 100 millions en prime à la signature. Donc ça n'arrange peut-être pas le Real, en sachant que le Real est en train de bâtir une équipe, pas forcément pour 2023-2024, 2024-2025, parce qu'ils ont prolongé Modric, ils ont prolongé Kroos d'un an, oui. En sachant qu'après cette saison, ils arrêtent. Oui. Donc, ils sont en train de préparer, en fait, là, en sachant qu'ils ont un œil sur Davis, la frappe gauche, oui. Moi, un des meilleurs du monde, qui est au Bayern, oui. et qui sont, ils ont encore des vues sur Hakimi, qui est très proche de Mbappé, Hakimi qui a envie de retourner à la maison parce que c'est chez lui. Et gagner des trophées. Exactement. Ils ont déjà Bellingham, ils ont Kamavinga, ils ont Vinicius, ils ont Rodrigo, ils ont Valverde. Ils sont en train de bâtir une équipe, pas forcément l'année qui pense beaucoup plus en fait enclencher un vrai cycle. Oui. C'est comme ça les grandes équipes se préparent, ils font un cycle, ils sont en train de bâtir une équipe pour enclencher un vrai cycle à partir de 2024. Et quand on voit les deux côtés, les latéraux qui vont venir, enfin, ça, vraiment, le milieu de terrain est déjà là. Il est formé, Bellingham est venu, il y a Valverde, on a dit Tchouaméni, Kamavinga, je croyais déjà là. Il va y avoir peut-être une seule arrivée, peut-être après, mais devant, ce qui manque, c'est Mbappé. Donc je pense qu'ils vont peut-être attendre, mais s'ils ont l'opportunité de le faire maintenant, ils vont le faire. Mais sinon, voilà, le PSG en fait, je pense, tu vois. C'est la même Amis sportifs, c'est la fin de cette émission. J'étais avec l'international béninois Ozero Abdoulaye. Il est coach adjoint de l'Autopropo, sélectionneur également de l'équipe U20, les Guépas, les Amazones, bien évidemment, du Bénin. Avec lui, on va parler également des Amazones du Bénin. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de votre émission Koburu Sport. Vidéo Leader, numérisez votre vie.